c'est Dieu. Moi, sois exalté, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, comment ne pas te dire merci à cause de ta fidélité? Comment ne pas te dire merci à cause de ta fidélité cet après-midi? Comment ne pas être reconnaissant, Seigneur, au devant de toi? Seigneur, tout ce que nous avons cet après-midi, Seigneur, c'est à cause de toi. Tout ce que nous avons, Seigneur, c'est à cause de toi, ô Dieu de gloire. C'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur, encore une fois dans ta présence pour te dire merci. Seigneur, car nous sommes conscients, dormir et se réveiller, Seigneur, n'est pas de l'habitude, ô Dieu de gloire. Dormir et se réveiller n'est pas de l'habitude, Seigneur. Si nous sommes en Seigneur, c'est parce que tu as décidé ainsi. Si nous sommes en Seigneur, c'est parce que tu as approuvé, Seigneur, c'est là que nous puissions, Seigneur, venir dans ta présence, ô Dieu de gloire. Merci. Nous commençons déjà parce que c'est une fois attendre, on va attendre très longtemps. Et vous savez comment nous sommes, quand on dit 14h30, il faut ajouter plus 10h. Amen. Alors nous, on commence, sinon on sera trop en retard. Je vais demander à mon compatriote, mon ami, qui parle français, d'interpréter pour ma sœur Alia. Amen. Qu'elle dit amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous bénissons ce programme. Et ici, nous sommes dans le cadre des CIF. On va, d'un moment à l'autre, nos amis sont en retard, on va faire la projection de ça. Mais je préfère déjà commencer. Et bien aimé, le CIF. C'est le centre international pour l'encadrement, la famille. Et vous savez, les conditions dans lesquelles nous vivons ici en Europe. Et la difficulté que rencontrent nos familles, nos familles traversent des moments très difficiles, des difficultés sur difficultés, des problèmes sur problèmes, et beaucoup sont déjà divorcés. Mais ils sont ensemble. Et dans la maison, ils sont déjà divorcés. Ce sont des choses que nous vivons. Ce sont des choses que nous voyons. Il y a des familles. C'est-à-dire l'homme et la femme se marient le matin. Et le soir, l'affaire est terminée. Et je vais dire à une personne que le mariage en Europe a perdu son sens. Donc, on ne comprend plus rien. Il y a des gens qui se demandent pourquoi je suis marié. Est-ce que c'est le mari de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Tout ça, c'est ce que nous racontons. J'aimerais dire en passant que nous avons avec mon épouse. Ensemble. Je voudrais d'abord vous présenter mon épouse pour ceux qui ne connaissent pas. C'est mon épouse. C'est l'os de mes os. Les chairs de ma chair. Ah, vous ne l'avez pas dit amen. Donc vous n'êtes pas content ou quoi?
Ils sont bien acclamés pour notre Dieu. Parce que j'ai confiance. Parce que Nazaré n'a pas confiance. Si toi tu n'as pas confiance, mais moi j'ai confiance en elle. Qui a dit amen. Tiens ton épouse, ton mari à la main, tu lui dis j'ai confiance en toi. Tiens nous dans la main, dis j'ai confiance en toi. Alors je disais que bientôt nous allons célébrer notre 35e année de mariage. Ça fait que nous avons fait du chemin. Ce n'est pas très court, c'est très long. 35 ans. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 35. C'est-à-dire que nous avons vu des choses. Nous avons vu des choses. Et nous avons entendu des choses. Et ce que nous vous disons, ce que nous allons vous dire aujourd'hui, non seulement ça vient de Dieu, parce que dans le cadre de l'œuvre de Dieu, j'ai 30 ans. 30 ans de ministère. Donc je fais ce travail, ça fait 30 ans. Et pour ce qui concerne le mariage, j'ai 35 ans. Donc il y a des choses que j'ai vues à l'église. Avec le couple. Parce que ça fait partie de mon travail. Ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vécu. Beaucoup d'expérience. Et 35 ans. 35 ans. C'est encore beaucoup. Donc je vous parle en connaissance des causes. Qui a dit amen bien. Donc le centre. C'est une vision que le Seigneur nous a donnée. Pour pouvoir aider les couples. Pour pouvoir aider les familles en difficulté. Je vais dire à une personne. Aujourd'hui, vous pouvez être bien. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose. Mais demain, on ne sait pas ce qu'elle est. Il y a des gens qui se disent, oh non, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Parce que vous êtes bien. Mais le jour vient où ça va partir. Qui a dit amen? C'est-à-dire que tu vas commencer à regarder ton mari du coin de l'œil. Et ton mari va te regarder avec un regard de dédain. Parce que le mariage c'est un long chemin. Je fais une année c'est bien. Deuxième année c'est bien. Troisième année c'est bien. Mais jusqu'à 30 ans. Je vous informe. Il y a les hauts. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est pour pouvoir préparer nos couples. C'est pour préparer nos familles. Quand les choses n'iront pas bien, qu'est-ce qu'on va faire? Quand les choses tournent bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà pourquoi nous sommes dans ces cartes. Et Dieu m'a mis à cœur de mettre sur pied ces centres. Pourquoi le centre? Ce n'est pas une église. C'est un centre. Nous recevons tout le monde. Être un enfant de Dieu. Être un musulman. Être un athée. Mais pourvu qu'il soit dans une famille, il est le bienvenu. Qui a dit amen. Amen. Centre international. Centre international. Pourquoi international? International? Parce que nous recevons tout le monde. Qui a dit amen. Pour l'encadrement. Pourquoi l'encadrement? Parce que nous devons donner des bases.
Nous donnons des enseignements. Comment on peut se comporter dans la famille? Comment on peut réagir face à ceci ou cela? Nous enseignons les couples pour qu'ils soient heureux. Qui a dit amen? Et enfin, la famille. Parce que CIF signifie centre international. CIF est le centre international. Pour l'encadrement de la famille. La famille. Nous allons beaucoup parler de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur. La famille, elle est précieuse. Chacun de nous. Donc nous sommes assis là. Nous venons d'une famille. Il y a personne qui est sorti d'un arbre. Donc dans votre famille, il y a papa, il y a maman. Donc nous venons de quelque part. Il y a dit amen. C'est comme ça que dans la mission que Dieu nous a donnée. Donc nous mettons l'accent sur la famille. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas sa famille, il est plus qu'un père. Donc tu dois aimer ta famille. En d'autres termes, tu dois aimer tes parents. Papa qui t'a mis au monde. Papa qui t'a mis au monde. Donc tu dois aimer le parent de ton mari. Parce que si tu as ce mari aujourd'hui, c'est parce que ses parents lui ont donné naissance. Et tu dois aimer les parents de ta femme. Si aujourd'hui, tu es là avec ta femme, parce qu'il y a eu ses parents qui l'ont enchanté. Est-ce que je parle à une personne? Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils sont dans les mariages, les parents de l'homme deviennent des sorciers. Donc quand ils disent, ils ne sont pas des recevoirs, ce sont des sorciers. Ou ce sont les parents de la femme. Quand l'homme apprend qu'ils ont appelé, il est complètement bouleversé. Oh, les sorciers nous ont appelés. Oh. Les sorciers ont appelé. T'as dit amen. Donc ça dit, ils sont sorciers maintenant. Mais quand ils ont engendré ta femme ou ton mari, là, ils étaient bien. Ça, c'est une erreur. Mais on pouvait bien le bouffer avant d'être des maris. Ça, c'était une possibilité. Et même quand vous êtes là dans la maison, mais on peut le bouffer. Qu'est-ce qui va empêcher? Parce qu'il est le fruit de ses entrailles. Donc les familles, le foyer que nous sommes, nous devons être enseignés. Nous devons être préparés. Alléluia. Amen. Et parce que nous parlons de la famille, nous allons catégoriser un peu les familles. Nous avons premièrement la famille proprement dite. Donc une famille instituée par Dieu. Cette famille-là, elle est composée de papa, composée de maman, et composée des enfants.
Donc une famille proprement dite ça présente problème. Famille présente restreinte. Amen. Amen. Deuxième catégorie, il y a famille. Il y a des familles qu'on appelle monoparentales. Et ça dit la famille, oh, ils allaient combien la monoparentale? C'est-à-dire, c'est quand les parents vivent seuls avec les l'un des parents vit seul avec les enfants. Et ça dit, oh, les parents n'ont pas salué vos fils, ils n'ont pas la parole. Donc, soit il n'y a pas la maman. Et lui, pour le bête, maman a zali tête au papa. Soit le papa n'est pas là. Soit papa a zala été, soit maman a zala. On appelle ça famille monoparentale. Ben yango, famille monoparentale. Alléluia. Amen. Troisième élément. Oui, Amisato. C'est la famille non instituée. Et ça, une famille non instituée. C'est-à-dire, c'est une famille. Et ça, une famille oyo. Par exemple, des homosexuels. Ndakisa, moi si na mobali, mobali na moi si, mobali na mobali. Amen. Amen. Nous n'allons pas en parler parce que ça nous concerne d'abord. Parce que la Bible n'est pas d'accord avec ça. Bible est allée dans mon église. Donc, on ne regarde même pas ça. Ça nous concerne. Nous parlons du mariage selon Dieu. C'est-à-dire l'homme et la femme. Moi, c'est l'homme au des sexes opposés. C'est ce qui nous intéresse. Et alors, la dernière catégorie de famille, il s'agit de la famille, c'est, qu'on peut dire, récomposée, reconstituée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est une famille où l'homme vient avec ses enfants qu'il a eu ailleurs. La femme vient avec ses enfants qu'il a eu ailleurs. Maintenant, ils se disent, nous nous aimons, maintenant on peut commencer. Donc on est là avec les enfants de la femme, avec la femme de l'homme, et même les enfants de l'homme et la femme. Donc ça fait trois types d'enfants. D'une manière générale, dans toutes ces catégories de femmes, il y a des problèmes. Des problèmes sérieux. Vraiment sérieux. Si vous n'avez pas de problème, réjouissez-vous. Mais serrez la ceinture. Parce que c'est un chemin très long. Vous ne savez pas ce que vous attendez. 30 ans, 40 ans de mariage. 30 ans, 40 ans à Libana. Ce n'est pas une garantie. Et ça lui garantit à ta montée. Ça peut basculer à tout le monde. Et pour qui qu'on c'est tout sur la page Jésus. Ce qui pense c'est Jésus à son agatité. Amen, amen. Amen. Alors, notre terre. Nous allons parler de comment bâtir un foyer où une famille est reste. Très important. Une famille est reste. Je vais ouvrir une parenthèse. Une famille est reste. Ce n'est pas une famille qui n'a pas de problème. Une famille heureuse, ce n'est pas une famille qui n'a aucun problème à son sein. Mais c'est une famille qui a aussi des problèmes, mais qui gère bien ses problèmes et qui les surmonte. Amen. Amen. Il n'y a aucune famille
Que ce soit chez les rois. Que ce soit chez les princes. Que ce soit chez les PDG. Que ce soit chez les pasteurs. Les archibishops. Qui n'a pas de problème. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses difficultés. Chaque famille a ses tourments. Mais comment peuvent-ils être heureux? C'est quand ils gèrent bien leurs problèmes. Et quand ils les surmontent. C'est-à-dire qu'ils passent de l'autre côté de la famille. Et cette famille-là intéresse. Par contre, il y a certaines familles. Dès que les problèmes surgissent, c'est la bagarre. L'homme ferme les poings. La femme serre la ceinture. Et ça devient un champ de bataille. J'aimerais dire à une personne, le mariage n'est pas un champ de bataille. Le mariage n'est pas un champ de bataille. Nous voulons parler de la famille heureuse. Nous allons aller très vite dans Matthieu chapitre 7. Et nous lisons le verset 24. Nous lisons rapidement. Voilà ce qui est écrit. Dans le verset 24, il est écrit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien dit, amen. La Bible parle de deux types d'hommes. Il y a un homme prudent et un homme insensé. Amen. Qui est l'homme prudent? C'est celui qui a compris que ma maison ne peut pas être construite n'importe comment. Et quand on parle de bâtir la maison, on bâtir la famille. On fait allusion à un bâtiment. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Quand on bâtit sa famille, c'est de la même manière qu'on va bâtir aussi un bâtiment. Bâtir, c'est quoi?
bâtir les alignes. C'est construit. Les alignes. Se superposer les briques. Les alignes. Se faire en sorte que quelqu'un, quand quelqu'un passe, il voit que là-bas, il y a une maison qui est bâtie. C'est ça bâti. La même mère aussi dans le foyer. Quand nous nous marions, nous bâtissons. Nous commençons à bâtir. Donc dans cette affaire, l'homme et la femme sont les deux architectes. Je parle en passant. Vous allez faire de votre maison ce que vous voudrez. Vous allez faire de votre foyer ce que vous voudrez. Quelqu'un peut me donner un bon amen là-bas. Amen. Non, donnez un bon amen là-bas. Amen. Vous savez, quand quelqu'un veut bâtir la maison, ce qui m'ont là. Il peut se dire, je veux que ma maison soit à marbre. Tu vas le faire. Mais tu peux embellir ta maison comme tu veux. Je veux une maison avec piscine. Je veux un gros véranda. Je veux faire une maison de quatre chambres. Bon, je veux faire une villa. Frère, tu es capable de le faire. Il en est de même aussi pour la famille. Tu feras de ton foyer ce que tu voudras. C'est question de comprendre les enjeux. Il y a des gens qui commettent des erreurs. Ils vont copier leur foyer sur le modèle de notre foyer. C'est très dangereux. Un homme prudent. La Bible nous dit, c'est celui qui a bâti sa maison sur les rocs. Sur les rocs. Donc c'est-à-dire, il s'est dit, il y a la pluie, il y a la neige, il y aura le vent, ils vont souffrir très fort. Si on ne prend pas garde, la maison va s'écrouler. Tu peux amener les pasteurs Nico ici. Qui a dit amen très bien. Amen. Non, donne un bon amen. Amen. Donc cet homme s'est dit, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Et les rocs, la Bible dit, c'est Jésus. La Bible le dit, Jésus n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Le mariage, ce n'est pas l'affaire de la famille. Ce n'est pas l'affaire de la commune. C'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui a institué. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'autre soit seul. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Au lieu d'aller bâtir sur les rocs, ils vont aller ailleurs. Mais ça ne va pas aller de l'avant. Vous allez faire bien des temps. C'est comme le jour qui est appelé à s'écrouler.
Mais par contre, l'homme insensé, lui, qui n'a pas de l'intelligence, qui n'a pas la sagesse, ça lui, il va construire sa maison dans les sables. Vous imaginez chez nous là, parce que tous nous venons de chez moi. Nous venons de chez vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Aujourd'hui, tu as acheté la maison. Tu oublies là où nous venons. Nous nous connaissons tous. Oh, vrai ou faux? Mais c'est vrai, nous connaissons. Chez nous, comment on fait? On n'a même pas besoin d'un architecte. Je prends seulement un maçon du quartier. Vite fait. J'ai dit, mais 20 mètres sur 20. 3 chambres. Il va creuser un peu. Et même pas de caillasse, même pas. Il met seulement des briques. Il dit, ça sera solide, bien. Vous comprenez? C'était la maison chez nous. Quand viendra le vent? Parce qu'il y a des vents torrentiels. Quand ça souffle, c'est-à-dire que vous sentez que ça va porter. Mais telle maison ne va pas résister. Gardez Amen. Donc un homme prudent. Tu vas chez l'homme, ça c'est chez nous. Donc deux briques c'est bon. Briques dans la vie de la femme. Mais voilà. Voilà. Comment un homme intelligent, comment il fait? Pourquoi? Parce que il y a le vent qui va tomber. Il y a la pluie qui va tomber. Ça signifie quoi? Dans le mariage, il y a des moments de trouble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Il y a des moments de troubles. Des turbulences. Donc des secousses. Regardez, Amen. Si la maison n'est pas bien bâtie, Seigneur, ça sera une histoire. Et oh non. J'étais marié. Nous avons 3 enfants. Vous avez 4 enfants. Pourquoi? Parce que le mariage. Votre mariage, votre famille, votre maison a été bâtie sur le sable. C'est une famille qui n'a pas Jésus. Jésus est le véritable roc. Le temps de me donner un bon amen. Amen. J'ai dit bien. Frère, ma soeur, je ne vais pas. Il y a des gens qui disent que le salut est individuel. Ok. Si l'homme prie, la femme s'en fout. Si la femme prie, c'est l'homme qui n'est pas là, il s'en fout. Bien aimé, je vous répète. C'est une bombe à retardement. Est-ce que je parle à une personne? Si toi tu pries, tu es un homme, fais par tous les moyens. S'il faut gêner, tu dois gêner. Maman ne comprend rien. Moïse n'est pas pour enlever. Moïse Castello. Il n'est pas. Je cherche une personne qui peut interpréter. Quelqu'un de bonne volonté. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma soeur? Je bénis Dieu. Parce que c'est une musulmane qui est au milieu de nous.
Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Gloire au Seigneur. Alors suivez-moi très bien. Là. Je voudrais dire ceci. Si ton mari n'oublie pas, il ne faut pas dire que le salut est individuel. C'est très bon. Et salut plaisant bombe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je vous dis en connaissance de vous. Et je sais ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est bien. Demain, tu vas comprendre qui est dit. Grégoire, c'est toi. C'est moi. Il dit, c'est moi. Tu m'aimes bien. C'est moi. Moi, je suppose. Qui a dit amen? Non, 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 qui a dit amen? C'est très dangereux. Si c'est la femme qui brille. Non, non, si c'est l'homme qui brille. Fais par tous les moyens. Et ta femme vient aussi. Sinon, écoutez-moi bien. Le mariage, on ne se marie pas pour deux ans. Mariage, pas pour 5 ans. C'est toute la vie. Si la femme ne prie pas, je répète bien, c'est une bombe à l'étranger. Ou bien toi qui es engagé dans la prière, ou bien yo sali engagé quatre dans la famille. Non, non, ça c'est ton affaire. Toi tu peux continuer parce que c'est ton affaire. Ça, c'est une grosse erreur. Et sali ma belle ma casse. Vous risquez de regretter. Et je sais ce que j'ai dit. Gardez amen. Alors, nous voulons parler dans la construction. On ne construit pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a un architecte ici? Quelqu'un qui fait la maçonnerie? Ou qui a déjà construit? Je sais qu'il est là, mais il n'est pas le qui a dit amen. Il y a des principes dans la construction. Le premier principe, c'est le choix du terrain. Dis avec moi le choix du terrain. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on ne construit pas sa maison n'importe où. Avant de construire, tu descends pour chercher les terres. Si c'est une pente, pas ici. Vrai ou faux? Si c'est une montagne, pas ici. Tu cherches un bon terrain. Les choix du terrain. Choix à terrain. J'aimerais parler ici du choix de son conjoint. Parce que dans nos réunions, nous avons aussi les fiancés. Parce que dans la réunion, on a besoin d'aller bien la fiancée. Ils doivent suivre aussi ces conditions. Nous avons aussi les mariés que vous êtes. Ils doivent aussi apprendre ce que nous disons. Comment choisir son conjoint? Bien-aimé, nous devons revenir au Seigneur pour chercher sa femme, pour chercher son mari. Il faut que Dieu te dise que c'est celui-là, pas celui-là. Il y a des gens qui se marient par sentiment. Il y a des gens qui se marient. Parce qu'on est déjà vieux, laisse-moi me marier. Tous les amis se sont mariés, moi je vais me marier. Il y a des autres qui disent, bon, je me marie parce que la famille a beaucoup fait pression sur moi. Donc il s'engage, mais ce n'est pas lui. Donc il est poussé par derrière. Il risque de faire un mauvais choix. Qui a dit amen bien? Amen. Non, qui a donné un bon amen? Amen. Et dans le choix
du terrain. Pour avoir choisi le terrain, il faut compter. Il faut compter. Et pour qui pourtant là? Sur Dieu. N'zambé. Que Dieu te guide. N'zambé la Bible pour qu'on a quitté. C'est pourquoi la Bible dit. Il y a moi la Bible le dit. Une bonne femme. Moi si à madame. C'est un don de Dieu. Et Zali les cabos, Zali va vous te payer n'zambé. Je prie qu'on allait dire amen. Je pense que vous avez déjà lu ça dans la Bible, vrai ou faux. Quand on dit une bonne femme, donc il y a aussi le contraire, une mauvaise. Hein? Vrai ou faux? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Une bonne femme, pour avoir une bonne femme, il faut que Dieu te fasse un don. Et pour dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a. Et il fait suivre votre chagrin. Quand Dieu te fait un bon don, je dis frère, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Parce que tu es le don de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le don de Dieu pour lui. Non, il ne faut pas dire que tu es mari, dis à ton mari. Ou dis à ta femme. Quelqu'un, un bon architecte qui veut construire pièce, qui a l'idée de sa maison. Parce qu'avant de construire, un architecte a déjà la conception de sa maison dans la tête. Il voit déjà la maison en étage, avec des terrasses, avec des toilettes, et avec devant et derrière les toilettes. Donc il voit déjà ça. C'est ça le bon architecte. Il a mis le même aussi dans le mariage. Tu veux être marié. Mais tu dois avoir une idée. Mais ça va mécanisme. Donc tu n'entres pas comme ça. Comment tu as le bon côté? Il y a déjà. Et ça n'a pas toi. Ils se sont retrouvés déjà dans le mariage. La mille petits pensent quand tu vas aller là. Oh, je suis dans le mariage. Oh, oui, ça n'est pas. Donc il ne sait pas qu'il est. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Non, quelqu'un peut dire amen, très bien. Amen. Donc il ne sait pas qu'il est déjà dans le monde. C'est comme si le rêve. Alors que c'est une rêve. Mais le fondement. Fondement mon boko. Le premier fondement. D'abord c'est l'origine. Et Zali Pensa est origine de ta femme. Il y a moi c'est là. Origine de Thomas. Origine y a mon bal là. Très important. Très important. Et Thomas Macasse. Comme nous sommes en Europe. Donc allez quand tu es en Europe. C'est de mon vient on va rester. Dans le bien testa même quand même. Et c'est fini. Et c'est lui. Le matin le bébé, le soir le bébé. Tombe moi là, papa de moi là, au matin moi là, au petit de moi là. Mais vous voulez que nous sommes mariés. Dans le bien tes mon bal là. Bien aimé, nous venons de chez nous. C'est-à-dire chacun de nous comme nous sommes là, chacun a chez soi, un chez soi. C'est-à-dire là où sa maman et son papa sont. Et là ils apprennent que mon fils avait une dame et ils font des enfants. Et là, il se pose des questions. Et si c'est dans la famille de la femme, mais qu'on se le dise, il n'y a pas une seule maman ici. Il peut acclamer, dire non, moi je veux que ma fille fasse comme
ce qu'il a eu comme souffrance. Pour la santé. Il n'y a pas un seul homme. Il peut dire, non, mais c'est bien que ma fille aille comme ça. C'est-à-dire, avant de sortir de la famille, de ta famille, tu dois recevoir la bénédiction de ta famille. C'est pourquoi beaucoup de foyers ont des problèmes. Le pasteur souffre. De prière sur prière. Il y a des charges. Mais le problème, c'est l'origine. À l'origine, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait comment? Vous avez commencé comment? Le commencement. Et Pensa. Moi, je suis en train de parler. C'est à toi aussi de comprendre ce que je dis. Vous avez commencé comment? Pour que vous puissiez arriver. Est-ce que les parents sont contents? Est-ce que ma bonne va se bénir? Est-ce que les parents vous ont béni? Est-ce que ma bonne va s'il vous plaît? Parce que les parents doivent vous bénir. Parce que ma bonne va bonga na penza et bongi va kana upambo la bénédiction. Il bénisse l'homme, il bénisse la femme. La bénédiction part de la maison. C'est quand vous êtes béni par les parents, par les parents, la bénédiction va vous suivre. Non, ce sont les gens de l'Afrique. Non, les gens de l'Afrique. Les gens de l'Afrique. Ça va vous suivre. Même si vous allez aux États-Unis, ça va venir. Même au Japon. Na Japon, le problème de fonds. Problème à mon beaucoup. C'est très important. Qu'est-ce que je veux dire? Ni la ligolo. Si on n'a pas donné. Soit qui m'a pèsé mes solotés. Ou bien tu es resté avec la tête. Soit qui au ticalipé, la mort, le pèsage, la bénédiction. Va honorer. Honorer ma parole. Va donner ce qui leur dit. Pèsa ma oeil, ma seigneur. Que tu sois tranquille. Ose la pensée à la kimia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend très bien? N'allez pas dire non, nous sommes déjà en Europe. Non, frère. Mon frère, ma gare. Ça ne doit pas être ça. J'aimerais que vous puissiez dire quelque part. Nous sommes dans les livres de Genèse. Au chapitre 34, la 34 verset 11, verset 11 et 12. Et 12. Papa, si tu me permets, c'est ça, c'est très bien. J'aime ça. Genèse 34. Genèse 34. 11. 11, 12. Amen. Bien-aimé. Si tu n'as pas encore réglé cette affaire, va régler. Est-ce que je parle à une personne? J'ai dit va régler. Il y a ton voisin, va régler. Parce que aussi longtemps que vous n'avez pas réglé, on peut commencer à tirer la ficelle derrière, mais vous ne réglez pas. Et vous êtes en difficulté. Et votre maison ne sera pas bien positionnée. Nous parlons de comment bâtir sa maison. Comment bâtir sa famille. Premier point, le choix du terrain. Deuxième point, le fondement. Et je lis rapidement. Vous prendrez votre cours, vous pouvez lire même à la maison. Si j'aime dire au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme
la jeune fille. Qui a dit amen. Amen. C'est le jeune oh, toi, tu es au donc toi, tu es la Bible. C'est dans la Bible. Exigez-moi une forte dot. On n'a pas dit un peu, on a dit une forte dot. Et demandez aussi des présents. C'est pourquoi, vous voyez, les papas m'ont amené moi mon costume. Amenez-moi une boîte de lait. Ce n'est pas un vent. C'est très important. Ceci n'est pas avec vous aujourd'hui. Ça date de la parole de Dieu. Genèse 34. Allez-y lire. Exigez de moi une forte dot. C'est-à-dire, si vous faites des enfants, vous êtes en train de faire des enfants, arrêtez un peu. Retournez, faites un marche. Il faut reculer pour mieux sauter. Qui a dit amen? Très important. Très important, Nawana. Deuxième fondement. Au deuxième fondement, c'est le ciel lui-même. La Bible dit, si Dieu ne bâtit pas, il faut régler avec la famille. Maintenant tu t'approches près de Dieu. Là vous êtes en règle. Et vous savez, nous venons de voir tout à l'heure, la personne qui a compris l'essence du fondement, il va creuser. C'est-à-dire pour ériger ce bâtiment. Jusqu'au dixième niveau. Donc c'est-à-dire, ils sont allés en profondeur, ils ont creusé. Et c'est ce qui va leur permettre d'ériger des états. Et c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes en difficulté. Parce que le fondement n'est pas mûr. Et je voudrais souligner une chose. Nous sommes dans cette maison, dans ce bâtiment. Mais on ne connaît pas le fondement. On ne connaît pas combien de mètres sont allés en dessous. Le fondement, c'est la partie cachée. Donc vous ne le voyez pas. Donc ça dit ta relation avec Dieu doit être profonde. Et ça va constituer vraiment un soutien pour votre maison. Et ça, c'est très important. Nous allons très vite. Troisième élément. Après le choix du terrain. Après le fondement. Après mon bobo. Troisième élément. C'est l'élévation des murs. Quand quelqu'un commence à bâtir. Une fois qu'il a fait le fondement. Il commence la partie des briques. Une, deux, trois, les briques. Et finalement, la maison est érigée. Mais que représentent les briques? C'est-à-dire quoi? Ce sont les apports. Tout ce qu'on amène. Ce que maman amène. Ce que papa amène dans la famille, c'est ce qui va ériger les gens. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Non, donne un bon amen en avance. Amen. C'est-à-dire, il y a certaines personnes avec des comportements bizarres. S'il se met à injurier sa femme, vous pouvez pleurer.
S'il se met à injurier son mari, donc le mauvais comportement qu'on amène dans la maison, parce que on se le dit, hein? Chacun de nous, nous venons de quelque part. Moi je viens de ma famille, madame vient de sa famille, moi j'ai eu mon éducation, maman a eu son éducation, moi j'ai fait mes études, ma femme a fait aussi ses études, moi j'ai mon caractère, ma femme aussi a son caractère, moi j'ai mes habitudes et madame aussi a ses habitudes. Moi je sais que j'aime. Il y a aussi des choses que madame aime. Parfois ça peut être opposé. Et la Bible dit que le mariage, c'est un mystère. Dis avec moi mystère. Mystère. Et c'est écrit dans Ephésiens chapitre 5. C'est un mystère. Deux personnes. D'origine différente. Des langues différentes. C'est-à-dire caractère différent. Des habitudes différentes. Avec les goûts différents. La façon de voir les choses différentes. Le Dieu fait que ces gens restent ensemble. C'est ça le mystère. Qui a dit amen. Amen. Et si Pierre est dans le Seigneur, quand nous voulons bâtir, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas prendre n'importe quelle brique. La meilleure brique qui est propre pour construire. C'est comme ça, moi, j'amène ma brique. Madame amène aussi une brique. Demain et après demain, nous sommes en train de bâtir. Bien aimé. Pourquoi la Bible dit dans Proverbe 14 1? Il y a Bible et dans Proverbe 14 1. Moi, si on a moyen, c'est celle qui bâtit. Une femme insensée. Il a détruit de ses propres. Dans le mariage, nous sommes là pour bâtir. Il n'y a pas une autre façon de voir les choses. Soit on bâtit, ou bien soit on détruit, ou bien on bâtit comme bébé ça. Il a dit amen. Non, il n'y a pas une troisième position. Soit nous bâtissons, soit nous détruisons. J'aimerais dire à une personne, si tu es là, ce soir, c'est pour bâtir, et non pas pour détruire. Il faut apporter une bonne brique. Comment toi tu peux critiquer ton mari? Je vis même sur les réseaux. Oh, mon bel mari. Mon mari ne me satisfait pas. Mon mari n'a pas. Est-ce que je parle une raison? Amen. Oh, mon mari. Oh, mon mari. Éjaculation précoce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu? Est-ce que c'est une erreur? Ce n'est pas une erreur. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend? J'ai fait comme si on m'a battu. Qui a dit amen bien. Amen. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ça dit au lieu de bâtir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes? Toi, tu vas sur les réseaux. Sur les réseaux, tu auras la réponse. Vraiment. Mais là, tu détruis ta maison.
capté ça. Mais ça, c'est pas une femme. Une sorcière. Qui a dit amen. Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien parlé? J'ai vu l'autre. Au nom de mon mari. Oh, mon mari en bas. On avait bien commencé. Bon, maintenant là, ça ne va pas. Bon, ça ne va pas pourquoi? Ça ne va pas pourquoi? Et ils ont été pour la vie. Oh, il est impuissant. Oh, ça n'est pas facile. Jusqu'à quel moment? Vous avez bien commencé. Bien. Mais maintenant là, ça ne va pas. Si bon, ils ont combattu. Est-ce que c'est un sujet de divorce? D'accord, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Emmanuel, nous sommes le jeu parfait et refuge de l'éternel. Alors, c'est mon cœur t'adore, un moment de gloire, un moment de puissance. Alors, ce soir ou ce matin, je ne sais pas, ça dépendra de l'heure où vous allez nous suivre par rapport au pays. Je sais que vous êtes très nombreux à partir des États-Unis, le Canada, l'Australie aussi. J'ai eu quelques messages à partir de Guingamp, que Dieu bénisse. Alors, j'ai quelques deux frères qui sont là, mais il y a trois, il y a l'autre c'est vraiment une surprise, le frère Moïse. Donc